Wir haben Sie eingeladen, um gemeinsam mit Ihnen die Eröffnung unseres Erweiterungsbaues zu feiern. Unsere Schule wurde ja ständig und in zunehmendem Tempo um- und ausgebaut. Um diese Entwicklung in einem Bild kurz zusammenzufassen: Wir wechselten in den letzten Jahren mehrfach die Räder am Zuge der HAFL, die dabei stets in voller Fahrt unterwegs war. In all diesen Turbulenzen blieb aber eines konstant, nämlich unsere Gebäudesubstanz. Mais après que le nombre d'étudiantes et d'étudiants et le nombre d'employés avait doublé, nous avons commencé à planifier une extension des bâtiments. Maintenant, 7 ans plus tard, et après un triplement des étudiants et des employés, nous sommes arrivés au résultat de cette opération. Nous avons une surface utile des bâtiments qui est enfin élargie de 50%. Et maintenant, j'ai le plaisir de vous annoncer un premier point culminant de ce matin et de notre cérémonie. C'est Mitch Gasser avec sa production Campus. Bernard Lehmann, pour vous, quelle impression, première impression du nouveau bâtiment et l'importance aussi de cette école en général pour l'agriculture en Suisse?
Ben, je dois dire que c'est la première fois que j'ai vu le bâtiment. Ça fait peut-être 2-3 ans que je n'ai plus été ici sur ce site. Je suis vraiment impressionné et pour moi, je pense que le bâtiment n'est qu'un aspect de la modernisation de cette institution que j'apprécie beaucoup et que je voudrais vous en féliciter d'avoir fait toutes ces étapes comme nous avons pu voir. Cette institution a toujours su s'adapter au temps et elle va toujours le faire comme nous avons pu voir sur la dernière image. Herr Foppa, darf ich noch schnell zurückkommen auf die Stärke der Absolventen von Zollikofen? Für mich ist es immer wichtig, wenn ich einen Berater oder eine Beraterin anstelle, dass sie die gleiche Sprache spricht wie der Landwirt. Und durch den starken Praxisbezug, den die Leute haben, die von Zollikofen, ist das eine Gewähr, dass der Landwirt die Aussagen des Beraters auch versteht. Dieser Praxisbezug, der ist wirklich sehr wichtig, weshalb eigentlich? Auch um Akzeptanz zu haben dann draußen. Ich denke, das ist ein Aspekt. Also wenn man von etwas spricht, ich habe jetzt beispielsweise in meinem Job, habe ich führe selbst diese Arbeit nicht mehr in dem Sinne aus, aber wenn ich beispielsweise mit der Forstwartausbildung zu tun habe, mit den Kursen, Prüfungen etc., profitiere ich schon sehr davon, dass ich weiß, worum es geht oder dass ich eine Arbeit mal selbst ausgeführt habe, dass ich mal selbst im Wald war. Und ich glaube, das ist wirklich eine große Stärke, dieser Praxisbezug, insbesondere sicher in der Forstwirtschaft, den die Schule hier hat. Sur le domaine de l'internationalité, je pense que ça aussi c'est un sujet très important, surtout pour ces autres écoles spécialisées. Ah oui, je suis tout à fait de cet avis. Je veux juste dire encore par rapport à ce que les collègues ont dit tout à l'heure, dans ma fonction actuelle, il m'est plus utile d'être fils et frère de paysan que d'avoir été professeur à Zurich. Donc ça veut dire que le monde agricole a besoin de cette... de savoir qu'on comprend leurs enjeux, qu'on comprend leurs problèmes. Ça, c'est une dimension, et puis ça doit rester une force, ça devrait rester une force de HAFL. Mais de l'autre côté, il faut que dans la globalisation, on ait une concurrence et qu'on ait aussi une compétition, qu'on se sente dans une compétition globale et puis qu'on veut être excellent. Et puis l'excellence, ça veut aussi dire qu'on sait parler et comprendre les agriculteurs, mais l'excellence, c'est aussi comprendre les enjeux de ceux qui nous entourent. Et ça a aussi une influence sur la Suisse. Et je crois que vous avez commencé très tôt avec le Internationale Studiengang, Internationale Landwirtschaft, là, ici, c'était bien avant Zurich, hein, je dois dire. Hein, c'était déjà précurseur dans ce domaine-là. Et je pense que, à mon avis, il faudrait que dans tous les cours, dans toutes les branches, on ait un peu cette dimension internationale. Ça apporte énormément et ça apporte énormément aussi pour travailler en Suisse après. Was ist Ihr Wunsch für die Zukunft der HAFL? Dass es weiterhin so familiär bleibt, obwohl es auch mehr Studenten da sein werden, aber das Familiäre habe ich immer sehr genossen und auch mit dem modernen Gebäude, dass man immer noch miteinander redet und einander hilft, auch übergreifend, und das wünsche ich. Ich bedanke mich ganz herzlich bei unseren Podiumsteilnehmerinnen und Teilnehmern. Herzlichen Dank. Danke.